Donc en première astuce déco, déjà je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment faire un siège ou un fauteuil, c'est comme vous voulez. Donc il y a le plus classique, mais je pense pas que je vais l'expliquer, voilà. Il est très simple. Alors pour ceux qui viennent de commencer Minecraft et qui ne savent pas comment faire, c'est très simple, vous aurez besoin d'un escalier en bois de chêne, vous posez l'escalier et vous prenez une pancarte et vous en mettez de chaque côté. Et ça fait un petit siège sympathique. Mais aujourd'hui je vais vous montrer d'autres sièges qu'on peut faire. Par exemple, c'est la même façon. Par exemple, vous posez un escalier et vous posez des trappes en bois à côté, comme ceci, et ça fait un petit siège aussi. Et il y a lui aussi, voilà, c'est un petit, c'est comme un siège haut, voilà, c'est dans les barres. Donc vous posez une enclume, et vu qu'on peut pas poser des dalles en bois directement sur l'enclume, vous allez faire une petite bosse, enfin vous allez monter à côté de 1, 2, 3, et vous allez appuyer sur voilà, et après vous cassez le tout. Après vous posez la trappe en bois et vous la refermez. Et là, ça fait un siège en hauteur. Voilà pour les fauteuils. Donc maintenant, passons à la deuxième astuce déco. Donc en deuxième astuce déco, je vais vous apprendre à faire une table. Donc vous aurez besoin de barrières de bois en bois de chêne et de tapis en fonction de la couleur de votre table. Donc moi, j'ai pris gris. Vous placez une barrière, vous placez deux barrières à côté comme ça. Vous faites un carré et vous refaites un carré comme ceci. Je les ai mis en trop. Et vous posez des tapis sur le bloc. Et voilà, vous avez votre table. Donc maintenant, passons à la troisième astuce déco. Donc pour cette troisième astuce déco, je vais vous apprendre à faire un lampadaire. Donc vous aurez besoin de barrières en bois de chêne, de glowstone et de trappes en bois. Donc avec vos barrières, vous allez monter de 3. 1, 2, 3. Vous allez poser la glowstone en haut. Vous allez mettre des trappes de bois tout autour et vous allez les refermer. Et voilà, vous avez votre petit lampadaire. Maintenant, passons à la quatrième astuce déco. Donc pour cette quatrième astuce déco, je vais vous apprendre à faire un pot de fleurs. Donc vous aurez besoin de terre, de trappe en bois et bien sûr de fleurs. Donc moi j'ai pris une pissenlit. Vous posez un bloc de terre, vous posez des trappes en bois, tout autour et vous les fermez. Voilà, et vous posez la fleur ici. Et ça fait un petit pot de fleurs sympa. Donc voilà, maintenant passons à la dernière astuce déco. Et pour cette dernière astuce déco, je vais vous apprendre à faire un canapé assez moderne. Oui, on peut dire qu'il est moderne. Donc vous aurez besoin de dalles de quartz, de blocs de quartz et de tapis gris. Donc vous posez un bloc de quartz ici, vous posez deux dalles de quartz, putain, il faut vraiment que j'apprenne à parler. Après, vous posez un autre bloc de quartz, vous en posez deux. Un ici, là, là, et un là. Après, vous prenez vos tapis gris et vous les déposez au-dessus qui fait un... qui rend le truc plus joli. Et donc voilà, le petit top 5 des astuces déco est terminé.